Ah bah c'est un centre qui a été créé dans les années 50, exactement en 1958. Et puis à partir de 1966, ça a été repris par l'INRA, qu'on appelle INRAE aujourd'hui. On a deux missions, une mission de protection, et puis également, à côté de ça, on a également une mission qui est d'améliorer les variétés, et en particulier de trouver des variétés qui sont importantes pour les agrumiculteurs. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la clémentine de Corse. Donc on a énormément contribué, on a été les principaux acteurs de la découverte et également de la multiplication et surtout de la mise en production de la clémentine de Corse. On a développé depuis un certain nombre d'années en partenaire avec les agrumiculteurs l'idée de faire une mandarine qui puisse être produite au printemps en Corse et qui serait finalement un nouveau fruit important à côté de la clémentine, un nouveau fruit phare. Donc voilà, ça c'est un gros projet que l'on a. Donc, moi, je travaille sur l'étude de la diversité de notre collection. On a 1000 variétés dans cette collection. Et donc, l'idée, c'est un peu de comprendre comment ces variétés sont nées. Enfin, l'orange est née il y a peut-être il y a 3 000-4 000 ans en arrière. Mais le premier agrume qui est arrivé sur les bords de la Méditerranée, c'est le cèdre. La Corse a été un des. Il a été à un moment donné même le premier producteur mondial de cèdres. Et après, il a fallu attendre quasiment 1000 ans, à peu près aux alentours du 9e siècle, pour avoir apparaître dans le bassin méditerranéen d'autres formes d'agrumes, l'orange amère, la picarade, le citron et le pamplemousse. Le clémentinier, il s'est vraiment développé ici à partir des années, après la remise en valeur de la plaine orientale, on va dire à la fin des années 50 et début des années 60. C'est le moment où en fait la station aussi a été créée, en 58. Le pomelo, alors le pomelo, parce qu'il y a un deuxième agrume qui a une IGP, indication géographique protégée, pomelo de Corse. Et c'est une variété particulière, qui s'appelle Star Ruby. Et qui a été sélectionné en Floride dans les années 50 et qui a été introduit ici en début des années 80. Bon, actuellement, il y a à peu près 150 hectares de production de pomelo en IGP. Et la clémentine, c'est à peu près 1500, aux alentours de 1500 hectares.